On roule désormais à grande vitesse sur l'avenue des Sports au quartier Kinkaville. Longue de 2,5 km, cette route est la deuxième voie à relier les communes de la Kenya et de Kampemba après l'avenue du Marché. Elle est située entre les avenues Monama et Kafubu, passant par la Cité des Jeunes. Sa construction est l'œuvre du troisième gouverneur élu de la province du Haut-Katanga, Jacques Kyabula-Katwe. Dotée de deux voies, avec une chaussée totalement asphaltée, équipée de deux ponts avec des canalisations bien construites de part et d'autre, l'avenue des Sports a sorti tout son éclat. Une situation qui réjouit les habitants du quartier Kinkaville, qui voient désormais la circulation des véhicules de transport. Tunamshukuru mbe papa gouverneur Kyabula kwa kutokea kwa balabala. Jui de sport de 1960 baruweka ka de sport akuikalake balabala. Me leo anakuya hako kuna kuya balabala tunampikia merci sana kwa kile kitu alifanya njuu yetu. Papa Kyabula Mungu akubariki, akubariki baba yetu. Kwa kile unatufanyia papa tunakushukuru. Gouverneur wetu tunaone kwa nafama evre de sport hii atukwende kutembea. Mais leo Mungu anatusaidia kwa gouverneur anatufanyisha kaburimbo. Nilikuwa mbari nashikia kaburimbo mu desport na sata acha nende nikamie paka mu desport mu kaburimbo. Sur le plan économique, la fluidité de la circulation des véhicules a boosté certaines activités commerciales le long de cette route. La population des quartiers Kinkaville et Kansimba est sécurisée grâce à l'avenue des sports qui a ouvert la voie aux interventions de la police des jours comme des nuits en cas de besoin. Surtout, la situation sécuritaire la nuit est bonne. Même notre quartier est calme à cause de cette route. Nous recevons l'équipe des FARDC, nous recevons l'équipe de la police chaque jour. Il faut signaler que la construction de l'avenue des sports s'inscrit dans la vision du gouverneur de province, Jacques Kyabula-Katwe, qui veut doter plusieurs quartiers de Lubumbashi de nouvelles routes modernisées.